Votre homme a tout dit. Et on a le pognon avec lequel vous avez essayé de vous tirer à l'étranger. Alors maintenant que vous êtes foutu, dites-moi le reste. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que je peux dire? On peut commencer par le meurtre de Niyad Demir. Après, si vous voulez, on peut parler du fric que vous vouliez embarquer avec vous. Et puis finir par tous les autres crimes qui sont sur votre dossier. C'est compris? Vous arrivez au bout du chemin, mon pauvre Yigit. Il va falloir cracher le morceau, et très vite. Ouais. Personne ne vous respecte. Alors vous voulez que je le fasse, hein? Et c'est donc pour ça que vous gagnez ce maigre salaire. Vous vous moquez de moi? Pour qui vous vous prenez? Écoutez, je pense que je ne suis pas prêt à faire de déclaration aujourd'hui. Oh, mais vous allez bien finir par nous parler. Non, parce que je n'ai rien à dire. Soit vous m'envoyez directement chez le procureur général, ou vous me libérez. Vous vous foutez de moi? Pour qui vous vous prenez, hein? Je vais en finir avec ceux qui bossent pour vous, et je vais aussi en finir avec vos patrons. Dites-moi ce que vous savez. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous ne savez pas qui je suis? Et si j'étais vous, j'enlèverais vos sales mains que vous avez sur moi. Et tout de suite. Laissez-moi. Si vous pensez avoir assez de courage, allez dire au procureur que je voudrais le voir. Qui est-il? Yigit est ici maintenant. Il ne parlera pas. Il a demandé à vous voir. Bien. Vous devriez le mettre derrière les barreaux. Vous l'envoyez au procureur général dès demain. Très bien, monsieur. Debout. On y va. Tu m'as offert un sacré beau cadeau de mariage, Emir. C'est bon, je me débrouille. Vous nous direz si vous avez besoin d'aide. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ce sont nos ordres. Nous serons à la porte. Oh, mais mon Dieu! Mais pourquoi? Raison de sécurité.
Ne me parlez plus de sécurité et amenez-moi donc ma mère. J'ai dit maintenant, est-ce que vous m'entendez? Allez la chercher ou je vous promets que ça va mal se passer. Du calme, ça va. Tout va bien se passer. Nigit va tout arranger, tout va bien se passer. J'ai renvoyé tout le monde et présenté des excuses. Mais des excuses pourquoi? On a l'air de quoi enfin? Ça me met hors de moi, comment est-ce que c'est possible? Je veux savoir qui a parlé, hein? Bon écoutez, il faut qu'on fasse savoir à Yigit qu'on est toujours avec lui. Et pourquoi vous me regardez comme ça? Allez, renseignez-vous, retrouvez-le, vous allez me mettre encore plus de mauvaise humeur. Et toi, ne reste pas planté là! Je réfléchis, papa. Et si Yigit nous balançait tous? Yigit, ne dis pas de bêtises, Yigit ne parlera jamais. Enfin, papa, mais qu'est-ce que tu en sais? Dis-moi. Tu sais quand même qui est son frère? Et s'il nous tendait un piège, hein? Tu crois peut-être qu'il ne se protégera pas? Est-ce que tu es en train de me donner un conseil, mon fiston, hein? Oui, papa, oui. Tu as raison. Mais à qui est-ce que tu crois que tu as affaire? Dis-moi. Yilmaz, tu te tais! Tais-toi, tu me prends pour un idiot? Je comprends ton petit jeu, tu sais, je vois que tu es en train d'essayer de me monter contre Yigit, hein? Tu veux gagner mon estime? Sors d'ici, essaie de me le ramener ici, après ça je t'écouterai et tu remonteras dans mon estime. Tu as bien compris? Et n'essaie même pas de revenir avant. Allez, vas-y. Et après, ils ont pris Yigit. Est-ce que tu savais qu'Emir allait lui jouer un mauvais tour? Moi, je trouvais ça vraiment bizarre qu'Emir aille à son mariage, déjà. Mais j'ai laissé, j'ai pensé, après tout, ils sont frères. Et puis, au fond de moi, je savais très bien qu'Emir, lui, n'avait jamais eu l'intention de laisser tomber son frère. Il est allé l'arrêter, maintenant il est seul. Et tout cela ne présage rien de très bon, Kubra. Non, rien de bon. Tu sais, j'ai travaillé dans leur société un moment. En fait, même si tout était réglé de manière légale, toutes les affaires qu'ils traitaient étaient toutes parfaitement illégales. Oui, tout ce qu'ils touchaient était illégal. Ça va mal finir. Yigit, ça va? Tu sais où est Selim? Je crois qu'il est en train de se faire interroger. Est-ce que t'as un plan? Il va falloir être patient. Mais être patient pourquoi? Comment ils sont au courant de nos affaires? Je croyais que personne ne savait rien de tout ça. Il faut garder notre calme, Ender. Il faut rester insensible. Et rien n'arrivera. Je comprends pas que tu dises un truc pareil. Je suis certain qu'ils savent un tas de trucs sur nous. Chut. Un peu de calme, Ender. Détends-toi, ils ne peuvent rien prouver du tout.
Biggie t'a fait beaucoup de mal. Il n'a que ce qu'il mérite, en fait. Mais, Kubra, si Yigit est libéré, ce sera aussi au bénéfice d'Emir. Si Yigit est en prison, tu ne crois pas que ce sera difficile pour Emir? Yigit a beaucoup de contacts autour de lui. S'il va en prison, il trouvera un moyen de s'échapper. Tu as raison, ouais. Je sais qu'Yigit est capable de n'importe quoi. Emir est ici. Cybèle est ici? Oui, entrez. Cybèle! Chérie! Cybèle! Maman? Oh, chérie! Oh, d'accord. D'accord, ça va aller, d'accord. D'accord, je suis là, regarde, je suis là. Oh, ne pleure plus, tu n'as pas eu de chance. Oh oui, ma pauvre chérie, tu n'as vraiment pas eu de chance, mon Dieu! Tu sais... Je savais que ce genre de choses allait arriver depuis le début. Oh, maman, arrête, s'il te plaît. Puis je ne pense pas qu'à moi. Je suis triste pour Yigit, tu sais. Et s'il ne le relâchait pas? Eh bien, qui sait? Enfin, regarde les crimes qu'il a commis. S'il est coupable, il faudra bien qu'il paye. Il s'est comporté comme un voyou, tu sais. Oui, il traînait tout le temps avec ces types très douteux et même les grands criminels. Oh, je n'arrive pas à croire que cela te soit arrivé. Cybèle, pourquoi est-ce que tu ne te prépares pas à partir d'ici, ma fille? Maman, arrête d'être comme ça. Je pensais que tu étais venue ici pour me consoler, mais écoute un peu ce que tu me racontes, enfin. Cybèle, pourtant, c'est clair. Regarde bien. Oui, regarde bien autour de toi avec quoi il a payé tout ça. Regarde tout ça. Tu n'avais jamais pensé d'où cela pouvait bien venir? Tu ne t'es jamais demandé ce qu'il faisait pendant tout ce temps et d'où ces choses provenaient, hein? Maman... Stop. Et tais-toi pour de bon.
ou je vais mal te répondre. Oh ! C'est vraiment le comble ! Et voilà, encore une fois, tout est de ma faute. Et vous ? J'ai un message de Haki pour vous. Il va tout arranger. Il s'en occupe. Merci beaucoup. Bien. On se revoit bientôt. Comment tu penses qu'il va faire ? Je suis sûr qu'Emir a un plan pour en finir avec nous. Tu vas arrêter avec Emir. Regarde, Ender. Reprends-toi. Tu dois te calmer. C'est ce qu'Emir veut. Maintenant, il nous menace. Bientôt, il verra. Cybèle ? Ouvre la porte. Entre, Delia. Pleure pas, va. Pleure pas. Assieds-toi un peu, allons. Assieds-toi. Qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et pour Yigit ? Je sais pas. Je sais plus trop quoi penser désormais. Écoute, il faut rester calme maintenant. Allez, pense au bébé. Je peux plus penser à rien maintenant. Et Yigit, t'as eu des nouvelles ? Est-ce qu'on devrait appeler Emir ? J'ai parlé avec Emir. Il a dit qu'il a agi pour la justice et que c'était son travail. Quelle ambition. Il a fait arrêter son propre frère. Ah non. Je dois faire quelque chose. Mais tu vas où, enfin ? Dis pas de bêtises. Si on avait eu des ennuis, tu penses que Yigit resterait assis sans rien faire, derrière ? D'accord, mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire, maintenant ? C'est une question juridique. C'est aussi un problème de famille. Et il doit être réglé dans un bureau du gouvernement. Parfait. Je suis un membre de la famille. Je suis la femme de Yigit. Cybèle. Arrête, Cybèle, qu'est-ce que tu fais ? Ah, Cybèle, mais qu'est-ce qui se passe ? Que se passe-t-il maintenant ? Conduisez-moi jusqu'à Emir. Pourquoi tu fais tout ça ? Est-ce que tu es devenue folle ? Qu'est-ce que tu y feras ? Arrêtez. Allez, qu'est-ce qu'on attend, là ? Si tu essayes de parler avec Emir, eh bien, il ne t'écoutera pas. Mais madame, je ne peux pas vous amener n'importe où sans permission. Allez, il faut rentrer à l'intérieur. Reviens, Cybèle. Non. Chérie ! Cybèle ! Arrêtez ! Madame, vous nous mettez dans une situation délicate. Chut. Chérie ! Ah. Ah. Toutes ces histoires lui ont fait perdre la tête. Vous deux, vous êtes bien des gangsters pourtant. Arrêtez-la, pourquoi vous ne partez pas à sa poursuite ? Oh, mon Dieu ! Viens, Deria, viens. Je crois que rien de pire ne pourrait nous arriver à ce stade.
Ils n'ont pas encore amené Selim. Hein. Ils ne veulent pas nous mettre tous ensemble. Ça aurait pas de sens. Je me demande bien ce qui se passe dehors. Quand nous verrons le procureur, il nous le dira, c'est sûr. J'arrive toujours pas à y croire. Enfin, qui pourrait faire ça à son propre frère? De quel frère tu parles, hein? Ne m'en parle pas. C'est vous, mes frères, maintenant. Je n'ai pas d'autres frères, c'est terminé, crois-moi. Juste toi et Selim. Je ne fais plus confiance à personne d'autre. Ne me parle plus jamais d'Emir. Émir! Qu'est-ce qu'il y a? Je dois te parler. Viens. Tu peux entrer? Dis-moi ce que tu fais. Ou qu'est-ce que tu essaies de faire exactement? Je comprends pas. Cybèle, essaie un peu de te contrôler. Émir, quel genre de frère es-tu? Pourquoi est-ce que tu as fait ça à Yigit? Bon. Yigit est ton mari, d'accord. Et moi, c'est mon frère. Mais il est coupable. Tu comprends ça? Si je n'agis pas maintenant, quelqu'un d'autre le fera, ce sera pire. C'est pourtant toi qui le fais. Mais enfin, explique pour quelle raison. C'est par amour? C'est pour Kubra? Pourtant, entre toi et moi, il t'avait choisi, hein? Il avait choisi son frère, ça, ne l'oublie pas. Qu'est-ce que tu veux dire? De quoi tu veux parler? Ce n'est pas sentimental. On ne s'amuse pas, cette affaire est très sérieuse, tu comprends? Il y a des lois pour ça. Ton mari a sali le nom de ma famille. Il est responsable. Pour la mort de notre propre mère. Il a enfreint la loi de son propre gré. Il doit payer. Pour les conséquences de ses actes criminels. C'est aussi simple que ça. Point final. Vraiment? Cybèle, ne blâme pas Émir. Toi aussi, t'es responsable pour tout ce qui vient de lui arriver, je te signale. Oh, oh,
Maintenant, c'est de ma faute, alors explique-moi un peu ce que j'ai fait, Kubra. Bien sûr. Si tu n'avais pas forcé Yigit à t'épouser, il serait parti à l'étranger depuis un bon moment. Bien sûr. Et il serait parti avec toi, n'est-ce pas? C'est moi qui l'en ai empêché. Alors maintenant, tout est de ma faute. C'est bien ça? Assez. Assez. Et toi, arrête, Kubra. Non. Émir, laisse-la parler. Laisse-la s'exprimer et dire vraiment ce qu'elle a sur le cœur, hein? Qu'est-ce que tu racontes? Ce que je dis est la vérité, Cybèle. Et c'est juste toi qui ne veux pas l'entendre, c'est tout. Oh, la vérité. Je sais que Yigit n'épousera jamais une fille à cause d'un enfant. Et tu le sais très bien. D'accord? Regarde-toi un peu et explique-moi comment tu as fait, alors. Dis-moi. Je t'écoute. Tu ne veux pas non plus élever un enfant sans son papa, n'est-ce pas? Vous dites vraiment n'importe quoi. Oui, ce que vous dites n'a aucun sens. Kubra, aide-moi. Je t'en prie, aide-moi. Parle à Émir, toi, il t'écoutera. Il fera ce que tu lui dis de faire. Aide-moi. Va-t'en, Cybèle. D'accord, t'es en colère contre nous, je vois. Mais si Yigit fait de la prison, nous ne serons pas les seuls à en souffrir, tu le sais. Il est aussi le père de ton enfant. Sérieusement? Et donc tu viens tout juste de le réaliser, Cybèle. Tu devrais avoir honte, tu sais, Kubra. Ouais, honte, parce qu'à chaque fois que tu avais un problème, j'étais toujours là. Quand t'as su que t'étais enceinte, j'ai laissé Yigit. Quand t'as essayé de te suicider, j'étais dévastée. Mais c'est moi la méchante dans l'histoire, c'est ça? T'as toujours pensé que j'étais la méchante. Assez. Tu devrais prendre le temps de réfléchir à tout ça et regarde-toi dans le miroir. Et après, tu viens me dire qui a raison. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais pourtant dit d'arrêter ça. Yigit! Arrête, Yigit! Non, fais pas ça! Yigit!
Ma chérie. Mon petit bébé d'amour. T'as bien dormi? Regarde comme tu es adorable. Tu ressembles tellement à ta maman. Je crois que tu es le plus joli bébé du monde. Regardez-moi ses yeux, tu vas avoir les yeux de ta maman. Tu es si belle, rien d'autre sur Terre ne pourra jamais être aussi beau que toi. Je te souhaite d'avoir toujours de la chance. Bonjour. Elif a faim, je pense. Mais elle te réclame. Bon, je m'en vais. Selim ? Selim ? Selim, qu'est-ce que tu fais là ? Et où est Yigit ? Comment t'as pu sortir, toi ? Qu'est-ce qui se passe? Raconte-nous. Ils ne m'ont pas gardé. Et pourquoi pas? Ils t'ont même pas interrogé? Non. Mais pourquoi tu nous as rien dit? Tu sais pas le souci que je me fais depuis hier soir. Ça fait des heures que j'attends. Mais j'en savais rien, moi, Cybèle. J'en savais rien, moi, que tu attendais. Je sais pas, mais t'aurais au moins pu nous le dire. T'as eu des nouvelles? Ils se sont tous fait arrêter. Ça fait 24 heures. Pourquoi Emir ne t'a pas pris, toi? Je comprends pas trop. Oh, c'est bon, Daria. Qu'est-ce que j'en sais, moi, hein? T'as qu'à lui demander, à lui. Un peu de calme, pas la peine de hurler. Je peux demander ce que je veux. Depuis quand je dois prendre des pincettes avec toi? Ah, numéro masqué. Allô? Allô? Alors, comment va notre jeune marié? Tout va bien? Qui êtes-vous? Ah, c'est moi, Aki. Tu sais, je voulais savoir si tu avais besoin de quelque chose. Non, monsieur, non, j'ai besoin de rien, merci. D'accord, mais... Tu n'as peut-être besoin de rien, mais moi, je voudrais quelque chose. Quoi donc? Bon, je vais te dire quelque chose, il faut que tu m'écoutes bien. Tu ne dois aller nulle part sans ma permission, est-ce que tu m'entends? Non, mais attendez, pourquoi je... Laisse-moi expliquer, je n'avais pas fini. Écoute-moi bien. Tu ne peux pas recommencer ce que tu as fait hier soir. Ça, je ne l'autorise pas, tu n'en as pas le droit, tu comprends? Mais si tu es intelligente et que tu m'écoutes, alors on aura peut-être une chance de résoudre le problème du moment. Et on pourra sauver ton mari. C'est entendu? Entendu, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit de pas l'interrompre et de bien l'écouter, et j'aurais peut-être une chance que ça aille mieux. Non mais qu'est-ce qui m'arrive, là? Oui. Monsieur Kilik. Tu es dans le bureau du procureur, je ne t'ai pas dit de t'asseoir, alors lève-toi. J'ai dit lève-toi. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, hein? Ne parle pas sans ma permission. On avance sur l'identité. Yigit Kilik. Nom du père? Mmh. Ah. Tu ne sais pas le nom de ton père? C'est le protocole. Bon. Nom du père Hassan. Et la mère Zélia. Née à Valik, Balikessir. Date de naissance 15 août 1980. Fevzi Kaya,
a avoué qu'il avait caché tout l'argent sale dans la voiture d'une famille qui partait à l'étranger et qu'il a fait sous tes ordres, que c'était tes instructions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Oui, oh ça, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais je crois que je vais me retenir. Mon avocat me l'a vivement recommandé. Oui, il m'a dit de ne rien dire. Monsieur Killick. Tu vas répondre à mes questions. Tu as compris ça ? À propos de l'argent, je veux savoir qui te l'a donné et dis-nous aussi d'où est-ce qu'il provenait. Et combien de fois est-ce que tu l'as fait ? Si tu réponds à mes questions, eh bien ta peine diminuera. Par contre, si tu refuses, elle augmentera. Est-ce que j'ai été assez clair ? Ah, je n'ai aucune réponse à tout ça. Ah, vraiment ? Vraiment, oui. Très bien. Mais au moins, je vais dire une chose que je sais. Très bientôt, je sortirai et tu me regarderas partir. Oui, je vais réussir à partir d'ici. Ouais. Fap ! Vous m'avez appelé, monsieur ? Emmenez ce monsieur. Fevzikaya va entrer. À vos ordres, monsieur. Je vous remercie. Messieurs. Ils n'ont pas libéré Yigit. Et Cybèle, elle devient de plus en plus folle. Pourquoi t'as pas encore ouvert ? J'ai pas pu dormir hier soir. Et j'ai pas pu tout terminer. On pourra bientôt ouvrir. T'es sûre que ça va ? Comment je pourrais aller bien derrière ? Tout est si compliqué. Hier soir, j'ai fait un rêve. Ah, c'était quoi ? Dans mon rêve, Yigit voulait tuer Emir. J'essayais de protéger Emir et il m'a tué. C'était juste horrible. Ah, je vois qu'au moins t'as commencé à rêver d'Emir, ma chère Kubra. Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quoi, comment ça ? Oh, eh bien tu protégeais Emir dans ton rêve, voilà tout. C'était juste un rêve, tu sais. Juste un rêve, Daria. Ma chère, l'analyse des rêves est très importante. Et la signification de celui-ci veut tout dire, Kubra. On se concentre sur le travail. On va bientôt ouvrir. Celles-ci sont prêtes. Mets-les dans le four, s'il te plaît. Je les mets donc dans le four. Tu devrais te rapprocher d'Emir. Il a tout fait pour Elif et toi. Il a fait tellement pour vous, Kubra. Tu parles, mais tu ne sais rien du tout. Emir est en colère. Il ne porte plus son alliance. Il l'a enlevée. Hey, tu ferais quoi à sa place ? Suis ton intuition, Kubra. Si tu as des sentiments pour Emir, alors tu devrais lui montrer. Arrête de les nier, ça sert à quoi de se battre comme ça ? Tu devrais le traiter mieux que ça.